Alors, Shabbat, Perek Shisha Asar, Daf Kuf, Yud Zayin Amud Bet. Shabbat, chapitre 16, 117, B. Yehulu Nishmat, Rabbi Abraham, Ben Jamila El Hadash, Nektar de Solan. On est à la quatrième ligne large, en bas, Amar Rav Hasda. Le'olam yashkim adam le'otza'at shabbat, sh'ne'emar, v'hi b'yom ha'shishi, v'haya b'yom ha'shishi, v'hechinu et asher yavi'u le'altar. Rav Hasda dit, le'olam, dans toute situation, à jamais, Yashkim Adam le Hotsat Shabbat. L'homme devrait se lever tôt le vendredi pour faire les achats de Shabbat. Hotsat Shabbat. Shenemar, Behaya Bayom Hashishi, והכינו את אשר הביאו לאלתר. והיה ביום השישי. בברסי די, בפרשת המן, פרשה כמו זכון לו לסמן דרנר, לסיזיין ז'ור, והכינו אל פרפרו, את אשר יביאו סקיזורו אמנה. קונטי סורטי פורפונדר למן, סבא, אלור, il est dit là-bas, le vendredi, il prenait la manne, il trouvait que c'était les hemishne, le double de ce qu'il cueillait tous les jours de Homer. Vehichinu, il préparait aussitôt, et ta chair y avait où ce qu'ils ont amené, les altars aussitôt, tout de suite. C'est-à-dire là aussi, le vendredi, sortir, faire les emplettes, les achats, et préparer tout de suite. Ne pas du tout donner le temps de réflexion, de détente et tout ce que vous voulez. Ça peut amener une certaine paresse et ne pas être prêt à temps pour Shabbat. Et chino la hana du Shabbat. Je ne sais pas, dans ma jeunesse, pour préparer la pâte de pain, je me souviens, il se levait le jeudi soir à 2 h du matin, préparer la pâte, la laisser lever, afin que le vendredi matin, très tôt, le pain était prêt à aller au four. Pourquoi? Parce qu'il y a un omès, il y a beaucoup de, je sais pas, beaucoup de familles qui préparent du pain, beaucoup plus que d'habitude, et le four, il doit finir juste avant pour mettre les dafinotes par la suite. Pour le lendemain, Azimken, il se levait très tôt pour préparer. Et il se levait très tôt pour faire les achats. Donc les altars aussitôt, tout de suite, il fallait absolument les achin. Commencer les achanot, les préparatifs. Amar Rabbi Abba, Shabbat Hayav Adam Lipsoa, acheté Kikarot,
Dirtiv lehem mishne. Rabbi Abba Gi Shabbat Hayav Adam Litzoa. L'homme est obligé de couper Litzoa, de couper, de trancher, acheter Kikarot sur deux pains. Sur deux pains. Pourquoi deux? Parce qu'il est dit, dirtiv, lehem mishne. C'était un pain double, c'est-à-dire ce qu'il recueillait le vendredi, il recueillait une part double, une pour vendredi et une pour Shabbat. Et donc, du fait qu'il est dit lehem mishne, pour la part de vendredi qui était double, a appris Rabbi Abba qu'il faut faire le motzi sur deux pains. C'est sûr que on ne coupe pas les deux pains. On va l'apprendre par la suite. On ne coupe pas les deux pains. Il a dit l'Iptsoa acheter Kikaro. C'est-à-dire, quand on tranche, on a en main deux pains. Il complète cela. Amar Rav Ashi. Hazina le Rav Kahana. Denakat Tarte ou Batsahada. Amar Laktu Kitib. Rabashi dit, il n'a pas dit j'ai appris, il dit Hazina, j'ai vu, c'est-à-dire il a appris comme les travaux pratiques, n'est-ce pas? Il a vu la pratique du moti, Hazina le Rav Kahana, j'ai vu Rav Kahana, le Rav Kahana était une autorité du temps de Rav, il était l'ami de Rav. Donc, dit j'ai vu. De là, ce Rav Ashi ne doit pas être le Rav Ashi de la fin du Talmud. Il devait avoir un autre Rav Ashi Gadol. Ou alors, il y avait deux Rav Kahana. Et ce n'est pas le Rav Kahana qui est l'ami de Rav, le collègue de Rav. Et je le dis en passant parce que si vous avez essayé des Radorot, vous verrez qu'il y a deux Rav Ashi, il y a deux Rav Kahana. Donc, Hazina le Rav Kahana de Nakat Tarté. Il a pris en main deux pains. Aval, au moment de rompre, au moment de couper, il a coupé un. Alors maintenant, on va faire les travaux pratiques pour le Motsi Shabbat. Les avis sont partagés. Est-ce que la challah doit être longue ou ronde? Mais on privilégie le fait qu'elle soit longue. Pourquoi? Parce qu'on prend deux pains. Ces deux pains, ces deux halot, ils ont la forme de vav. La forme de vav. On prend avec deux mains des bouts de la halot. N'est-ce pas? Les deux mains font 10 doigts. 10 doigts, ça fait yud. Ke, vav et ke. On prend les deux
les deux pains. Après avoir dit Hamotzi lechem min haaretz, Hamotzi lechem min haaretz, il faut lever, il faut laisser glisser le pain d'en haut et sortir le pain qui était en bas sur vendredi soir et couper un pain. Nous avons là les deux pains. On les tient aux extrémités. Et on fait yutke vavke. C'est la même chose également que les hachamim disent pour la tzedaka. Quand vous prenez la pièce de monnaie, c'est un yud. La prenez avec une main. C'est que vous l'attendez, le bras, c'est un bab. Le ani qui reçoit, c'est un autre que. Yud ke, bab ke. Donc les deux mains tiennent les extrémités. On dit Amoti lechem min haaretz. Ça, c'est le soir. Alors, bien entendu, on fait glisser le pain d'en haut et on ressort celui qui était en bas et c'est lui qu'il faut rompre, qu'il faut couper. Ça va? Rabbi Zira, Hava Batsa Akula Shirute. Rabbi Zira, quand il faisait le moti, il prenait le morceau qu'il avait l'intention de manger dans tout le repas. Par exemple, c'est-à-dire, j'ai vu les gens, ils donnent un petit morceau de moti. Un petit morceau de moti, c'est pas un petit morceau, il faut donner des morceaux assez. C'est bien. Moins qu'il y ait comme Kazaït. Mais Rabbi Zira, il prenait un grand morceau s'il avait l'intention de manger la moitié du pain. Quand il faisait le moitié, il prenait le morceau, la moitié du pain. Akula shirote. Tout ce qu'il voulait manger dans le repas comme pain, c'est ça son moitié. Bah, Rabina, il a dit à Rabashi, à Malé Rabina, le Rabashi, וה מחזה כרעבתנו תה. Il dit, quand il prend comme ça un grand morceau de pain, il donne l'impression à ceux qui sont à côté qu'il est un affamé. Il veut manger beaucoup. Et ce n'est pas du tout un derech d'un Talmid Chacham. Le Talmid Chacham on dit, selon le verset de Tzadik, Ochel, les Sova, Narsho. Le Tzadik, il mange les Sova, Narsho. Rassasier son âme, pas rassasier son ventre. Rassasier son estomac, ça peut prendre beaucoup. Et rassasier son âme, les sauver en afcho. Rassasier son âme, c'est-à-dire se contenter. Celui qui voit le Talmid Chacham en train de prendre un grand morceau,
Rabinal, il dit, celui qui le voit, il va donner l'impression à tous ceux qui sont là, comme quoi il est un affamé, un glouton, quelqu'un qui veut manger beaucoup. Alors regardez ce que je veux dire. Amarle, Rabashi répond à Rabina. Kibvan de Cholioma la Avid. Du fait que habituellement, ce n'est pas ça du tout son habitude. Il mange un petit morceau. Seulement, exceptionnellement, le jour de Shabbat. C'est comme ça qu'il se comporte. Ce n'est pas du tout vu comme quelqu'un d'affamé et jugé comme quelqu'un d'affamé. Je vois que Rav Kahana, c'est écrit ou pas de ça, il a pas coupé, il a comme Rompu. Rompu. Est-ce qu'il y a une Rompu. différence? Qu'est-ce qui est mieux? Je n'utilise jamais Couteau. Pour motier le couteau. Toujours les mains. Uh-huh. Est-ce qu'il y a une raison? Oui, on forme le lieu de... C'est sûr qu'il y a une... Pourquoi un sakin? Vous savez, il y a... Lehem. Lehem, c'est la racine, la medhet même. Cette racine, on peut écrire lehem de six manières différentes. Lehem, lemah, maloah, mahol, halam, hamal. Vous suivez? Lehem. Si vous commencez par la première lettre, lehem. Deuxième mot qui commence par la med, je mets le mem et le het à la fin. Lema, la mort. Je peux commencer par mem au début, mais là, maloa ou mahol. Je commence avec Het. Ha, l'homme. Ha, l'homme. Ou Hamol. Hamol, avoir pitié. Hamal, Hamol. La homme. Alors, on va retenir. Quand il y a Lehem, il y a Milhama. Ça peut rassasier, ça peut provoquer toutes sortes de choses également. Quand il n'y avait pas de quoi nourrir le peuple, le Sanhédrin venait voir David HaMelech et lui disait « Amecha, Tzrichim, Mizonot, Parnassa ». Alors, qu'est-ce qu'il leur disait? Les choupichtou, allez-y et attaquez les environs pour prendre de quoi manger. Donc, pour le lehem, il peut y avoir milhama. Et celui qui n'a pas de lehem, il peut être cholem.
peut rêver, n'est-ce pas, qu'il a, il a besoin de pain, quand il n'a pas de pain. Comme celui qui était à l'école, l'institutrice lui dit 2 plus 2, ça fait combien? Elle lui a dit, madame, 4 pains. Elle a compris qu'il avait faim, il fallait lui donner à manger, puisqu'il pensait au pain. Lorsque on veut couper le pain, il n'y a pas lieu de lever un sakine. Le pain, c'est ce qui va te nourrir. Pourquoi prendre une arme contre lui? Et la considération fait de telle sorte que, avec beaucoup de kavod, avec beaucoup de respect, rappelez-vous, nos parents, nos ancêtres faisaient très attention à Bizyon Ochalim. Bizyon Ochalim, c'est-à-dire mépriser, dégrader les aliments. Quand on voyait un morceau de pain par terre, il fallait le ramasser et le mettre dans un lieu bien précis pour qu'il ne soit pas exposé. Et ça, lui, il ne nourrit. Et nous, on est boatim bo. Et nous, on le jette. C'est pas du tout une considération pour le pain. Il faut faire très attention. Akadosh Baruch Hu nous donne. L'autre jour, Mathias, il disait Baltashit. Voilà une des raisons de ne pas du tout faire Baltashit, de manger. On dit que celui qui mange les petites miettes qui restent, quand il reste des petites miettes de pain, ces miettes peuvent enrichir une personne. Qu'est-ce que ça veut dire enrichir une personne? Parce que la Gemara dans Masechet Brachot rapporte que Sar shel Aniyut, l'ange qui est nommé pour l'Aniyut, pour la pauvreté, il fait attention à celui qui néglige de ramasser les miettes, qu'il les jette n'importe où. Ce sar lui donne la pauvreté. Alors on raconte que le sar de Aniyut dans la Gemara, il voulait absolument faire tomber quelqu'un qui veillait à ce que il ne jetait pas du tout les miettes. Il les ramassait, il les rassemblait. Soit il les mangeait, soit il les donnait à des oiseaux. Il faisait quelque chose avec. Mais Rabbi Saba, est-ce qu'on peut les donner aux oiseaux? Moi, je les donne aux oiseaux. Est-ce que c'est permis? C'est permis. Ah, ok, merci. C'est... Un jour, il a mangé sur un tapis d'herbe. Il a mangé, il a laissé tomber des... Alors, le sar, chez l'Aniyut, il a dit, ah, cette fois-ci, il va tomber entre mes mains. Mais qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Il a pris une pelle. Il a tout pelleté et il a mis tout dans le cours d'eau qui passait. Alors, il a entendu le sar, chez l'Aniyut, a dit, malheur à lui, celui-ci, il a eu raison de lui. Regardez combien le bizayon que l'on fait à la nourriture
peut Hashem Shalom apporter et la famine et la pauvreté. On termine, je m'excuse, il est là. Rabbi Ami et Rabbi Assi. Rabbi Ami et Rabbi Assi. Qui est clair, Rifta. Qui me clair, le Rifta de Eruba. Charo, il l'avait. Amar, ou il vit avid bahada mitzvah. On utilise le pain pour faire Eruv, Eruv Tchumin, Eruv Tafshilin, pour Shabbat, n'est-ce pas, Yom Tov. Rabbi Amir, Rabbi Assi, quand ils avaient l'occasion d'avoir le pain de Eruv, il faisait le motzi sur le pain de Eruv. Sharé, il l'avait. Pourquoi? Amré, ils ont dit, Ho il bit abid ba mitzvah, yit abid ba mitzvah harina. Le fait que ce pain a été zoché pour une mitzvah, pour la mitzvah du Eruv, alors qu'on fasse une autre mitzvah, il a mérité de brachot en mitzvah Eruv. Et l'autre bracha, Motsi Lechem Min Haaretz. Voilà, Rabotai, je m'excuse, j'écoute. Il y a le Shiva de la mère de notre ami Rabbi Sharon Shriki. Alors, Rabotai, je m'excuse. Pardonnez-moi. Avec votre permission, je vous souhaite Shabbat Shalom et Borach. Shalom, Rabbi. Rabbi David, est-ce qu'on ne dit pas qu'on n'utilise pas le couteau pour le pain parce qu'on dit Shuhana Shalifnead Hashem, et donc de Navi, il te dit ça, donc ça veut dire que c'est comme le Bet Amigdash, donc le Mizbeach, comme on n'utilise pas de fer dans le Mizbeach, de la même chose, on ne fait pas de couteau. C'est ça. Pour Birkat Amazon. Mm-hmm. Et pas pour le pain. Cette raison, c'est pour le Birkat Amazon. De peur qu'on ne s'énerve au moment de... À moins que le couteau soit couvert. Mm-hmm. Quoi qu'il est couvert, c'est comme s'il n'était pas là. C'est pour Birkat Amazon, elle dit « L'otanif harbecha qui harbecha en afta aléava » Amen. Amen.